Hey, coucou mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Richissime Archéologue où on retrouve Ayuwa. Aujourd'hui, Ayuwa va partir enfin à Salvadorada parce que ça a été deux longues semaines en Sims. Évidemment, vous avez eu trois épisodes, je crois, hors Salvadorada. Et du coup, ben c'était un peu long. D'ailleurs, je remarque qu'il y a... Il y a eu un petit cadeau sur le toit, hein, un Kritaku. Voilà, super. Que nous avons récolté, mais c'est bien sympa l'orage, mais il fallait nous le donner avant qu'on en avait besoin. Allez, ce matin, on se prépare bien. Une belle douche, un beau pipi. Un petit casse-dalle peut-être, un petit passage par les plantes, parce que je sais que sinon il va être triste s'il parle pas à ses plantes. Donc tu vas nous faire une super vente et puis tu vas discuter également avec tes plantes pour leur dire au revoir et que tu les revois bientôt. Allez, Yeah, ça y sure. est, tu vas être Sure bien. En thing, plus, en même temps, plus on part tard, yeah. moins vite on reviendra. Et plus vite, peut-être on aura la possibilité de choper ce qui nous manque. Et puis tu vas prendre des vacances comme mon coco, bien sûr, évidemment, tout seul. Et c'est parti pour Salvadorada. Youhou! Oh là là, ce que ça fait du bien d'être sous le soleil de Salvadorada. Bah écoute. Je pense qu'on n'a déjà rien à y faire là, donc tu vas me creuser un truc ici. Voilà, on a réservé notre petite bicoque, hein, comme d'habitude, la même. Hein. Et puis il va venir creuser les trucs là, et puis bah c'est parti. Hein. On va déjà aller dans la jungle. Bah écoutez, on va pas perdre de temps. Pendant qu'il est en train de couper les branches, on a récolté un fossile. Où est-il le fossile? Ah, il est là. Oh, toujours pas. Yips! Ça y est, entre dans la jungle, petit cœur. Sable mouvant! Ayuwa trébuche et fait tomber son sac rempli d'objets personnels, plouf! Dans les sables mouvants. Ayuwa doit-il tenter de le récupérer ou laisser tomber? Allez, allez, logique élevée, on tente de récupérer le petit bout de bois, tralali, tralala, s'emparant d'un bâton, et hop, du matériel d'aventure en plus, on est content. Qu'est-ce que tu Quoi fais? ça? Bicic. Allez, bichet, tu te changes. Et tu me mets ça dans l'inventaire, s'il te plaît, et tu franchis, hein? Commence pas à casser les pieds avec ton vélo, moi je te le dis, hein. Ok, c'est ça. Fais pas du tout ce que je t'ai demandé, ça ira très bien aussi. Et nous voici ici, les amis. Un petit serpent. Ici c'est fermé, tant pis pour nous. Eh ben écoute, tu vas venir, hein. Jusqu'ici, voilà. Tu vas aller ici et tu vas utiliser ta machette. Oula! Ah non, hein! Oh. Araignée de ses morts là. Huh? Allez, tu continues là. Des araignées, Ayuwa réfléchit à ce qu'il peut faire et décide de rester calme et immobile. Et décide que rester calme et immobile devrait suffire à ne pas énerver les araignées et éviter les morsures. Eh bien, tu as visé juste mon bout. Le sac abandonné. Ayuwa tombe sur ce qui semble être un campement abandonné. De toute évidence, un autre aventurier est passé par ici, car il y a des restes de feu ainsi qu'un vieux sac abîmé. Il pourrait y avoir quelque chose de précieux à l'intérieur. Ouais, une relique en or, peut-être. Ou quelque chose de dangereux. Ouf! Une grosse mygale poilue. Ayuwa doit-il aller voir? Eh bien, on va, bien sûr, la logique étant au niveau 10, on va donc chercher du matériel utile. Ayuwa examine soigneusement le sac et suspecte la présence d'une créature à l'intérieur. Il prend un bâton à proximité et touche doucement divers endroits du sac. Un scorpion venimeux en sort et s'enfuit dans la jungle. D'ailleurs, deux fois le bâton, quoi. La logique dans les Sims, c'est d'avoir des bâtons à proximité, quoi. Vous le saurez, hein. Ayuwa fouille le sac et y trouve du matériel utile. Ouais, trop court. T'es encore avec ton vélo? Oh, mon vélo! Alors, nous sommes ici. Tu peux venir creuser ici déjà. Ok, alors. On peut y aller, on peut y aller, ça c'est cool. Bien sûr, celle-ci c'est la porte du temple. Et ici c'est fermé. Très bien. Et là ça n'a pas poussé. Ok. Tu vas creuser ce que je t'ai demandé et ensuite ben, on va aller au temple directement. Hein, on va pas commencer à tergiverser. Allez, c'est parti. Hop là, hop là. On va attaquer le temple. Bravo! Mystérieux. Ayuwa se fera un chemin dans un jungle lorsqu'il manque de trébucher sur un gros œuf bizarre. Qui sait quel genre de créature il y a à l'intérieur? Que doit faire Ayuwa? Alors, la fuséologie étant au niveau 10, sa mère, eh ben on va examiner l'œuf bizarre.
Et Iowa examine de près l'œuf et l'identifie. Il s'agit d'une créature interstellaire. Il frotte doucement l'œuf pour terminer l'incubation. Oh oui, c'est chaud! Une adorable créature est née et Iowa l'emporte chez lui. Oh le coquin! Et une conquête de plus pour Iowa. Est-ce qu'on va au temple? Pff, évidemment que non! Mais non, je déconne! Oui! Nous voilà au temple! Allez, bah, sans plus tarder, go! Hein. On n'a pas que ça à faire, hein, nous. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Oh! Vas-y, va récolter les tomates, mon croco. Récolte-moi les tomates, ici César, éco noir et tout. Voilà, non, pas essayer de passer. Bah, je dis n'importe quoi, moi. Tu vas examiner. Tu vas examiner. Voilà, je pense qu'on est bien. Bon, écoutez, on va voir ce que ça a déjà. Et on va voir ce que ça donne déjà. Alors, Iowa, que te disent ces trois gardiens de temple? Aux allures fières et colorées. Ouais, ils sont beaux, les petits soldats. Ok. Alors, certains, oui, mais pas non. Ah oui, alors on a deux peut-être et un non. Bon, on va voir sur l'autre. Elles sont belles, mes coupelles. Oh, est-ce que vous voulez en acheter une ou pas? Oh, mais dites donc, mais il n'y a pas écrit Bécasse ici. Alors, et ici, rien du... Enfin, oh, ouais, vas-y, on va faire la glyphe-feuille, on verra bien ça, si ça passe. La feuille, c'est là. Vas-y, mon coco. Et non. Oupsie. Oh, vous n'allez pas passer loin, celle-ci. Allez, on va retourner sur les fiers guerriers. Tu vas guerrière de droite. Voilà, on verra bien. Hein. Des fois, je fais tout bien. Des fois, je fais tout pas bien. Il me saoule avec son vélo, c'est un truc de malade. Il te fait toujours les mêmes coups. Oui, ça, c'est bon, du coup. Yeah. Alors, ici, nous avons une belle et grande pièce. Tu vas examiner ça. Oh, bah, il n'y a que ça à examiner, en plus. Oh bah ils sont un petit peu radins sur les bords, hein. Tu vas me creuser ça aussi. Puis tu vas me creuser ça, voilà. Tranquille, Emile. Hein. Alors, est-ce que le jeu va me troll et que cette fois-ci ce sera les feuilles? Est-ce que vous pensez que c'est activé à l'avance? Ah non, ce sera soleil. Bon, c'est bien. Je sens qu'il va me ralentir parce qu'il a envie de pisser. Iowa, Iowa, Iowa. Rien ne va. Tu veux pas pisser là, là-dedans, là, rien. En plus, il y a un joyau là. On peut même pas se le prendre alors que c'est à portée de main. Allez, go! La glyphe soleil. C'est gagné! C'est super! C'est ouais! C'est gagné! C'est gagné! Allez, tu vas activer. Non, pas activer. Examiner. Examiner. Ah, et puis c'est deux fois des squelettes en plus. Oh, les fiers soldats, comme ils sont beaux, comme ils sont. Ils se dressent devant toi, là, avec leur arme piquante. Piquante. Et ben voilà. Il va nous ralentir avec son pipi, là. Tu serais pas atteint d'énurésie, toi, par hasard, hein? Alors, qu'est-ce qui donne les premiers, là? Ok, on sait pas. Deux peut-être, un non. Ils vont être plus bazar, ceux-là. Si tu pouvais te pisser dessus, Iowa, ce serait tellement bien. Voilà, ouais, pisse-toi dessus, gars, franchement. Allez, l'arme du milieu, parce que t'es en face. Et puis, si tu pouvais pisser en même temps, ce serait splendide. Non, alors s'il pouvait te faire peur pour que tu te pisses dessus... Ça a même pas marché. Oh non, tristesse. Cette fois-ci, l'arme de gauche. Ouais. C'est bon. Allez, tu viens examiner ça. Examiner ça. Oh là là, il y en a trois maintenant. Et examiner ça. Je suis désolée, Iowa, mais c'est forcé. Il faudrait que tu te pisses dessus. C'est pas grave, tu te laveras après. Allez, courage. Eh ben voilà. C'est un bon pipi rincé, ça. Ah, elle va se sentir mieux, bichette. Qu'est-ce que tu... Mais qu'est-ce que... Mais non! Mais oh! Quoi? Quoi? Non, non, non! Oh non, mais c'est pas vrai. Non, non, non. Tu vas continuer à bosser, là. Tu vas manger ce qu'il faut manger si t'as faim. Voilà, tu vas manger ça. Et tu vas te donner une baie... Allez. Une cérébée. Voilà, ça te fera du bien. Non, non, tu ressors pas. Puis en vélo, tu vas aller où? Réfléchis un peu, Iowa, quand même. Ça va mieux? Allez, tu continues à examiner. Ça a déjà été examiné. Bon, bah tant pis pour nous. C'est... Alors du coup, je sais pas... Oui, bah, il m'a perturbé avec ces conneries. C'est quatre noms. Voilà, au moins ça, c'est fait. Tiens, j'avais même pas vu qu'il y avait un coffre, quoi. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alors, ce premier truc-là... Trois noms, hein, peut-être.
C'est encore pas assez. Enfin, là, enfin, moi je préfère voir celui-là avant. Oh, il a découvert les têtes de flèches. Super. En attendant, tu vas m'ouvrir ça. Il commence à être fatigué. Bah, il est 4h du matin en même temps. Il est en train de bosser depuis à midi, depuis qu'il est arrivé. Une base de reliques du chaos, mais ça sert strictement à rien, Mayowa. Mais c'est génial. Oh, qu'est-ce qu'on avance, c'est incroyable. Et c'était ça, oui. Maintenant, on va passer dans la dernière pièce. Oui, la dernière pièce du trésor. La dernière pièce du trésor et un premier temple découvert. S'il te plaît, des reliques en or, tout ça, toi-même tu sais, toi-même tu connais. Oui. Ah oh, bah une grenouille et des sous, 750 simflouz. Bon, c'est bon, ça va, c'est, on va pas se plaindre. Mais c'est pas ce qu'on cherche, hein. Bon. Ah là c'est the big. Une base de reliques du chaos et deux autres grenouilles en or. On a 4 grenouilles en or. Mais zéro relique en or. Non, on a des bases pourries là. Ah vas-y, ça me saoule. Ah, j'en ai marre. Bon. Oui, allez, viens. Va à la location, mon coco. Ça ira plus vite, va. Sors ton petit vélo, je sais que tu le kiffes. T'as raison, fais le tour alors que t'étais déjà du bon côté, mais c'est pas grave. Allez, va être couché. C'est parti. Nous revoilà à la location. Tu vas pouvoir me creuser ça. Comment ça réussit, Rosebud? Oui, non, mais c'est... On a l'habitude, on sait. Iowa est parfait. Il réussit tout ce qu'il touche, ou presque. Voilà, un bon petit somme, une bonne petite douche. Maintenant, un bon petit chili. Je sais pas ce que tu vas manger. Un chili, c'est ça. Bah écoute, bon app, et tu vas te requinquer. Le pire, c'est qu'il est bien en rythme, celui-là, quand même, hein. Avec le bassin qui ondule au rythme de la musique. Oula. Oula. Yo, 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 yo. Oulala, yo. Tu nous fais des chaleurs. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est classe. Highway Jones, explorateur de l'extrême. Bon, ça y est, on passe à autre chose, maintenant. Allez, le boule, le boule, le boule. Yips, yips. Allez, c'est bon. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé? Une statue non authentifiée. Super. Allez, on va aller au bar un peu. Et c'est parti pour le bar où les gens ont des cheveux chelous. Allez, tu vas commander une boisson, ta boisson préférée. Vas-y, éclate-toi, fais-toi plaisir. C'est sympa ici. Attendez, est-ce qu'il avait encore une boisson ou un truc à découvrir? Je me souviens plus. Je vais aller checker ça dans ma petite liste. Alors, pour les ceux qui veulent savoir la vie d'Ayuma, sa boisson préférée c'est un... Oula. Wuta... De quoi? Wuta... Eft... Habir. Rien, je sais pas. Bon, elle a peut-être des cheveux bleus chelous, mais pas trop dégueu cette fille, hein. Ouais, peut-être que ça pourrait être son petit crush des vacances. Oui, je sais, il en a déjà pas mal derrière lui, des crushs. Oh, une de moins, une de plus. Qu'est-ce que ça change? Bon, il faut pas oublier non plus qu'on est là pour chercher des trucs qui nous manquent, dont un petit calcaire et quelques reliques. Mais les reliques, de toute façon, ce sera que via le temple, ou presque. Donc là, je vais chercher les petits calcaires qu'il pourrait creuser. La nuit tombe sur Salvadorada. Et Yoa chasse ses fossiles. Enfin, du moins, je sais pas. Ce qui chasse ce qu'il pourra trouver, quoi. Allez, on a un truc ici. Un monstre marin. Et non, c'est pas ce qu'il nous faut. Ooh. Qu'est-ce que t'as récolté? Ben, il veut même pas nous le dire, l'animal. Prends tout ton temps, hein. Ouais. Bon, ben, je sais pas ce qu'il a reçu, mais c'était sûrement pas le calcaire qui nous restait. C'était sûrement pas le calcaire qui nous manquait, hein. Non. Non. Non, Yowa. Oh, il m'agace.
Il m'énerve à faire ce que je lui demande pas de faire. Allez, un fossile. Ok, super. Ça servait à rien. Allez, on retourne au bar. Ah là là. Non, non, mais on parle pas. On parle pas au barman, on parle à nul. Mais t'es fou, toi, hein? Raconte-lui un truc d'incroyable. Tu vois, elle est complètement illuminée par ton petit soleil personnel, quoi. Moi, je te dis, pas grand-chose à faire et tu l'as dans ton lit, celle-là. Ça y est, ça y est, ça y est. Il y a déjà de la romance dans l'air. Retraque là un peu. Oui, les moustiques, ils sont chiants, je t'avoue que... Oui. Technique de dragosé. De toute façon, maintenant, Iowa, il a eu du mal à démarrer. Hein. Mais maintenant que tout roule pour lui, niveau amour, c'est trop facile. Eh ouais. Bon, c'est vrai que de profil, c'est pas la plus belle, hein, mais... Elle est là, quoi. Reste là, chérie. Je reviens. J'ai un petit cristal à échoper là-bas. Ah, il doit repisser. T'es pauvre, Iowa. Bref, ne bouge pas, cocotte. Il revient. Franchement, c'est le cristal de la mort, hein, surtout qu'on en a plus besoin. Un diamant. Oh, bah, c'est dommage. T'aurais pu lui offrir. Va pisser, mon grand. Mais elle est partie. La sagouine, elle est partie. Tant pis. C'est formidable ce jeu, c'est que même si le Sims était parti au moment de rentrer chez dans la location, il pouvait l'embarquer. Alors bah qu'est-ce qu'on fait? On l'embarque. Exactement. Forcément, ça finit sous la couette. Faut bien qu'il se détende quand même, hein, entre deux temples. Voilà, ça l'occupe. Bon bah je crois qu'elle va quitter le navire. Elle dit que tu pues. Non mais quelle gourgeasse. Non mais meuf, t'as vu comment t'es habillée, ta coupe de cheveux? Commence pas à agresser à Yoa, hein, moi je te le dis. Hein. En deux clics, t'es morte. Hein. Non mais dis donc. Bah écoutez, c'est sur un Iowa heureux et endormi que moi je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Voilà, le retour à Selvadorada, on a des challenges, on a vraiment des reliques à trouver. Je ferai mon max, mais de toute façon c'est pas moi qui décide. Ouais mais c'est pas toi qui décide. C'est le jeu. Et puis, bah voilà. En même temps, je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude, mais aussi partager la chaîne sur vos réseaux sociaux. A très bientôt pour la suite du riche cime archéologue ou d'autres choses. Ciao!